cette semaine, Mama. C'est un film de fantômes produit par Guillermo del Toro. S'il vous plaît, vous savez où il est, l'arrobase ? Un maître du film d'horreur. Victoria et Lily ont été retrouvées dans des conditions déplorables. Leurs parents sont morts et elles ont vécu seules dans la nature pendant au moins 5 ans. Salut Victoria. Le fait qu'elles aient survécu est inexplicable. Je suis le frère de ton papa. Tu te rappelles, oncle Luke ? 5 ans dans la nature, c'est normal que les filles sachent pas parler. Mais Ribéry, il a pas vécu dans les bois pourtant. Dans un film d'horreur de fantômes, il y a des passages obligés. Et là, dans Mama, ils y sont tous. Un psy qui essaye de comprendre. J'aimerais que tu m'en dises plus sur Mama. L'héroïne qui a un train de retard. Je te promets qu'il va rien m'arriver. Mais combien de fois j'ai entendu Cahuzac me dire ça? Il y a aussi le plan du couloir vide qui ne détend pas l'ambiance. Les coupures de courant intempestives, le lustre qui bouge, les gens qui courent dans les bois, éclairés par la lune. Même dans le film, ils ont glissé un signe paranormal. Au début, il y a marqué janvier, alors que le film sort en mai. Il y en a un qui va se faire engueuler, hein. Enfin, pas complètement, parce qu'à la fin, il a rectifié le tir. Comme dans le film à la fin où les héros s'en sortent, lui, il a sauvé son job. Trop fort, le mec! Eh ben, moi aussi, il va falloir que je songe à le sauver, mon job, en 2017, hein. Ah, tu aimes aussi les films de science-fiction, alors? À bientôt! Moi, j'y crois, fantôme, hein. Il y a celui de Sarkozy qui rôde ici.